me trouve dans le désert du Sahara et je suis au pied d'un Ksar, une immense forteresse construite il y a plus de 1000 ans. Elles étaient toujours construites dans des endroits stratégiques parce que l'idée était de se protéger des invasions des peuples nomades. Je viens de rencontrer un guide algérien et il propose de me montrer un puits d'eau forcément primordial dans ces Ksars. Et maintenant, il y a plus d'eau parce qu'il y a eu beaucoup de graves, de roches qui ont tombé. Ah, d'accord. Mais avant, c'était plus de 200 mètres. Parce que déjà, on est à 150 mètres, la montagne. Et il fallait creuser la montagne et encore plus pour atteindre le niveau d'eau. Et l'eau qui est ici permettait justement d'approvisionner l'ensemble. D'approvisionner l'ensemble, mais surtout pour avoir une source d'eau à l'intérieur du Ksar une fois qu'on a subi un siège. Parce qu'il y avait beaucoup les sièges des marinides, les Marocains de l'époque.